Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent 9726, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui sur cette nouvelle aventure, donc Ark Vanilla sur la map The Island. Et aujourd'hui, on va tout simplement farmer un petit castor, donc parce que le castor j'en ai besoin, parce que je vais agrandir ma base. Et donc quand on est en Vanilla, eh ben c'est pas si facile que ça, parce que les stats, on peut pas porter beaucoup. C'est vite encombrant, donc on peut pas farmer vite. Donc un petit castor, ce sera super. Donc pour le bois, bien sûr. Donc on va aller farmer un petit castor. Ensuite, dans cette vidéo, nous irons prendre des perles de silice. Hein. Je vous conseille de rester sur la vidéo donc jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, donc je vais vous faire voir un petit endroit, franchement tranquille, pour récolter des perles de silice. Il n'y a pas besoin de faire de plongée sous-marine, aller dans les grottes sous-marines, quoi que ce soit. C'est quasiment en surface. C'est entièrement, c'est au nord. C'est avant les montagnes, au nord-ouest de la carte. C'est un spot, franchement, c'est assez tranquille. C'est assez safe, hein, c'est assez tranquille. Il y a 2-3 piranhas, mais franchement, rien de bien méchant, quoi. Quelques coups de lance et puis on n'en parle plus. Donc voilà, je vous conseille de rester à la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir voir ce petit spot de perles de silice qui est franchement plutôt bien. Sur ce les amis, je vous souhaite un excellent visionnage, une excellente vidéo. N'hésitez pas à liker un maximum, partager, commenter, partager un maximum, ça serait super. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ce serait bien. Et puis activez la cloche de notification, comme ça vous serez mis au courant des prochains lives et prochaines vidéos. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus, à la prochaine. Ciao! Je vais adresser en vitesse. C'est bon, on peut y aller. Avec le rocher posé juste devant, je croyais qu'il avait une selle et... On aurait trop dit qu'il avait une selle, lui. Poser là un petit peu. Histoire de prendre un petit peu la stam. Bon, la stam est reprise, allez hop, on en a suffisamment. Logiquement, c'est par là. Logiquement, par là, on devrait trouver du castor. J'en ai tué pas mal la dernière fois, j'espère qu'il n'y aura pas tout jeté quand même. Mais je ne pense pas. Là-haut, je me demande si c'est pas des castors. Si, des castors, nickel. Bon, écoutez, par rapport au niveau, on s'en fout un petit peu. Hein. Surtout qu'il n'y en a pas des masses et des masses. On va se poser un petit peu. On va reprendre la stam. Il est quel level lui d'ailleurs? Ah ouais, level 19. Ouais, il est vraiment pas très haut en level. Ah, c'est pas grave. Allez hop, toi tu vas venir. On essaiera d'en trouver des mieux, peut-être un peu plus tard. On y reviendra de toute façon, c'est pas très loin. On va le poser là. Voilà. Bah pas dans l'eau toi. Allez. C'est reparti.
Ouais, donc je m'en fous un petit peu du niveau hein, pour le castor, tout simplement parce que ben, je suis en partie solo, je suis pas sur serveur. Et puis ben j'ai mis le level de dino au maximum, mais franchement, oh là là, il n'y en a aucun qui est d'un bon niveau. Tous des niveaux 2, des niveaux 10, 15, 20, 30. Ah, franchement, pour trouver du haut niveau, c'est désespérant. Clairement, c'est totalement désespérant. Donc c'est pour ça, pour les petits dinos comme ça, ben, ma foi, ben, je prends les petits levels normaux. Voilà, tout simplement. Parce que là, même niveau de la stam, il n'y a rien, pas de stam. C'est galère. Je vais mettre un peu de stam d'ailleurs. Ouais, il est content. Toi, tu vas pas dans la flotte, hein. Ouais, je te surveille. Hop là, allez, c'est parti. Putain, je crois que je l'avais pas. Là, il tient avec un poil. Super le truc. Un poil. Et puis clairement, là où je me suis installé, bah, franchement, c'est pas fou, hein. Ok, il y a un petit bout de redwood juste derrière. Il y a les marais aussi. Enfin, j'allais prendre une grenouille. Une belle zébuffe. On va essayer de tamer pas mal de dinos ce soir. Donc le castor, on va le mettre dans la taming cage, tout simplement. En plus, il a du bois. Bah, c'est super. Voilà. On va mettre tout ce beau monde en passif. Hop là, voilà. On va se prendre l'arbalète. On va tirer quelques flèches. On va peut-être aller de l'autre côté parce que là je sens que ça va être la galère. Il est juste là en plus le pauvre. Regardez, il est là. Bim! Ah, ça court ça! Bim! Il est en fuite, je crois. Ah là là! Putain, mais c'est une galère hein, ce truc là, faut vraiment que. Voilà, voilà, et c'est parfait. Ah, faut que. C'est une femelle. Voilà, la torpeur descend assez vite, je vais regarder. Un solde de texte. Level tout pourri 19, ouais, c'est des croquettes de Galliminus. Je n'ai pas. Ah la vache, ça prend quand même du temps. Mais ne serait-ce qu'un level 13. 43 minutes, 8 pots de narco, d'accord. Avec de la méjo. Ok. Donc là, j'ai fermé. On va. Le mosh shop. Voilà. On va prendre les pots de narco. Pardon, excusez-moi. Est-ce que j'ai de la narco là-dedans? Ça aussi. Voilà.
8 minutes 59. Ok. La torpeur bientôt. Ouais, la torpeur descend très vite. Donc ouais, je pense que j'ai le temps, clairement, de... Bon, en fait, lui va me gêner. Bim, il me gênera plus, ça je vais le mettre dans le feu. Tac, là-dedans. Voilà. Il fallait que je fasse un petit truc, là, je sais plus c'est quoi. Que je construise une forge. C'est ça. Pour ça, il me fallait du silex. On va prendre un peu de silex. Voilà. On va prendre peut-être un petit peu de bois aussi. Petit chouille. Voilà. On va retourner voir le castor. En vitesse. Les narcos. Voilà. Alors, puis je peux même mettre. Je vais attendre un tout petit peu. Puis je vais mettre. C'est que ça. Tiens, le bois a déjà respawn. Non, c'est pas ce bois là. Ouais, ok. Donc, je voulais. La forge. Ah, j'ai pas assez de pierre. Ah, ouais, quand même. Là. Ah bah non, 5. Ça donne pas des masses. Voilà. Là normalement je devrais avoir assez. Ah, il redescend encore lui. Bah là je pense que je peux y mettre la mesure. Voilà. Ça me met pas du tout la même chose pour un level 19. Ouais, bah c'est pas grave, ça mettait 45 minutes, mais en fait c'est beaucoup plus rapide. Tant mieux, j'ai à faire remanger des. Par contre, ça mange beaucoup plus. Voilà. Normalement, ça devrait pas être trop mal. Donc, on va construire notre forge. On va la placer. Non, il nous manque toujours quoi? Ah ouais, c'est non. D'accord. J'ai clairement mal vu. Voilà, là ça doit peut-être aller mieux. Dans le pire des cas, ça je jette. Là. Et là on peut construire notre petite forge en attendant.
chose qui sera très bien. Donc voilà, notre petit castor, il en est où? Cette torpeur qui redescend. Bon, attends qu'elle descende bien, on va le laisser dans le pire des cas, on va laisser se tamer tout seul. Là, on va pouvoir poser à nouveau une forge. Voilà. Voilà. Parfait pour la forge. Et lui, bientôt fini. C'est bon, ça devrait être bon. Allez. C'est laid quand même. Allez, mange ta dernière petite croquette là. Qu'on n'en parle plus. Je me demande si je suis pas en tamique fois. Ah non, normalement je suis en tamique x5. Allez, mange la dernière là. Ah, impeccable. Voilà. Donc pas bouger tout. Ah, et ça a pris le. Ah, il avait de l'écorce dans. Oh, tu vas me suivre toi parce que t'es. Me suivre un seul. Ok, super. Et donc voilà notre petit castor. Ouais, franchement, il est pas top top, hein. Tiens, on va se mettre à côté. Bon bah les amis, ça y est, tout de suite nous revoilà donc au nord-ouest de la map, hein. Vous voyez, on est pas totalement au nord, on est à la limite entre les montagnes en fait, entre la zone de neige et la zone de sable normale. Et puis donc on va s'avancer un tout petit peu sur la glace, enfin vous allez voir. Et puis donc bah là, je vais vous faire voir le petit spot de perles de silice, franchement qui est tout à fait sympa. Parce que juste là où je suis, normalement c'est indiqué sur le Arc Wiki qu'il y a des perles sur les ressources map, sur les cartes ressources map, qu'il y a des perles de silice, mais franchement je n'en ai pas trouvé. Donc, mais par contre là où je vous emmène, vous allez voir, hein, franchement c'est easy quoi. Donc vous allez pouvoir avoir des perles de silice assez facilement. Bah, sur ce, je vous laisse continuer de regarder la suite. Hein. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Ouais, puisque là, il n'y a pas de perles. J'ai eu beau regarder sur Ressources Map, ils mettent qu'il y a des perles là, mais franchement, je n'en ai pas vu. Alors, pas une seule, hein, franchement. J'ai eu beau regarder, il n'y a rien, rien, rien du tout. Je les vois pas, je sais pas où elles sont. Honnêtement, je sais pas où elles sont. C'est pas grave, on va se faire le petit loot qu'il y a là-bas. Puis je crois savoir où on va pouvoir prendre des perles. Ouais, super, avec un anneau. De la merde, de la merde, de la merde, de la merde, il y a que de la merde, ok. Voilà, c'est parfait. Donc on va aller par là. En fait, c'est vers. C'est vers la glace. Et
J'ai quoi sur moi? J'ai pas regardé ce que j'avais. Ouais, j'ai du bois. Putain, ça on en a pas besoin. Ça non plus. Le reste on le garde. Ouais, le reste on va le garder. De tresser, il y a aussi des troodons dans le coin un peu plus haut vers non, les troodons on les a passés, ils sont derrière. Ah, puis il a repris sa stamina, sa stam. Ou alors c'est une rivière, il n'y a pas de perles là-dedans. En plus, l'eau est dégueulasse. Alors, pas mal de piranhas. On va survoler un petit peu là, on sait jamais. Si jamais. Par contre, j'ai plus de. J'ai pas beaucoup de flèches. Parce que j'aurais bien endormi si jamais je trouvais un Argentavis. Ouais, puis j'ai pas les croquettes non plus donc. Ouais, sur le bord, y'a nada. Parce qu'il y a bien un Argentavis là-haut. Il y en a deux. Je crois bien que c'est. Oh, il y en a plein, plein, plein en fait. On va se mettre comme ça pour mieux les voir. Déjà, il y a lui. Hop. Level 45, non. L'autre là-haut. Hop, il est là. Level 15, non. Lui là-bas. Qui est en train de marcher. Level 35, non. Et. Level 40, non. Le Stego 135. Ouais, que des argentes de merde en fait. Là, voyons si lui, déjà on va s'en débarrasser. Ah, tais-toi, arrête toi. Il y en a deux. Il n'y en a plus qu'un. Et voilà. Ok. Est-ce qu'il donne quelque chose? Que dalle. Ok, donc l'Argentavis, on va y remettre du corps à corps parce que c'est quand même bien pratique. On va pas le nier. Voilà. Donc là, il a beaucoup de merde, hein, putain. Voilà, ça on va jeter, ça on va garder, ça on va garder aussi, c'est nickel. Inspire, on jette les recettes. Et ça on jette, et puis ben la viande, on va en jeter un peu, on va pas tout jeter bien sûr. Mais on va en jeter un petit peu. Parce qu'on va laisser pourrir, ça c'est clair, putain c'est trop tard. Là. Non, accéder à l'inventaire si on va voir, on sait jamais. Eh ben non, il n'y a rien. Ok. Donc il y en a d'autres là-bas, des argentes. Ouais, je les tue, c'est pour pouvoir faire repop des meilleurs. D'accord, lui il avait quasiment plus de vie. Il y a aussi un truc qui est mort là. Ah, c'est un doidi. Après, je sais pas s'il est mort ou s'il est juste en boule. Voilà, allez viens toi. Voilà.
Putain, mais je sais pas, ça bug, ça me fait rentrer dans le sol. Allez, plus qu'un coup. Plus qu'un coup, c'est bon. Voilà. Nickel. Hop, allez. On va le manger. Donc là, il y a le Doidi. J'espère qu'il est pas mort, je vais regarder en speed. Non, il est pas mort. Niveau 25, c'est un. Ouais. Niveau tout pourri, mais enfin bon, il me le faut, donc on va attendre qu'il se remette correct. Là-haut, il y a d'autres argent. Ils sont quel level? Argent à vie, 50. Ouais. Il n'y en a qu'un. Quel argent t'as vu? On va le laisser. Ok, il a récupéré quoi lui? Donc rien de plus. Ok, donc normalement des perles, il y en a, ils sont quelque part par là. Par contre, vous pouvez le constater, il fait énormément froid, donc on va perdre de la vie, ça c'est clair. Des perles, est-ce qu'il y en aurait par là sur le bord? Non, il y a besoin d'aller là-haut, obligatoirement. Putain, il y a des piranhas en plus. Donc on va faire gaffe aussi à ça. Là, ouais, c'est trop profond là. Je crois que c'est sur les petites plaques de là-bas. Ah ouais, mais y a pas que des piranhas, il y a tout en fait là. C'est hyper dangereux. Pose-toi. J'ai mon argent, tu veux pas se poser. Je crois que c'est par là, normalement, il y a des perles, il me semble. Ouais, là-bas, il y a une perle. Mais je crois qu'il n'y a pas que des perles. Piranha? Il y en a une autre là-haut. Les colacanthes. Eh si, la piranha. Nickel. 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 J'ai plus de d'énergie. D'accord, là on a combien des perles? J'en ai peut-être assez en fait. 92, on a rien. Ah ouais, c'est clairement pas suffisant, 92 perles. Puis mon bonhomme il a faim. Il y en a d'autres là, mais il y a des mégalodons, ça fait chier. Ah, il y en a plein là. Ah, puis un alpha. On va aller là. On va se mettre un petit peu à l'abri. On va manger un petit truc. On va voir ce qu'on a. De la viande crue. Putain. Bah écoutez. Est-ce qu'on peut sauter? Non. Ok, on va sortir de là, je vous le dirai clairement. Parce que ça pue un peu par là. Il fait énormément froid. Donc voilà, bah, si vous voulez un petit poste, un petit coin pour prendre comment dire, si vous voulez un petit coin pour donc les perles de silice, hein, bah, venez ici. Il fait très très froid par contre. Mais vous voyez, c'est assez tolérable pour pouvoir donc prendre des perles de silice. Donc on va pas s'attarder au loot parce qu'il fait énormément froid, on est en boule de glace, on va sûrement pas tarder à mourir. Donc on va se poser sur le petit caillou là, on va essayer de se réchauffer un petit peu. En plus il neige. Ah c'est bon, on a passé la neige, on est dans la pluie, c'est cool, ok. Donc on va se poser là, on va mettre fin à cette petite vidéo. Voilà. Donc hop. Hop. Donc les amis, hein, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à
Partagez, commentez, likez. Likez est très important. Abonnez-vous, ça c'est encore plus important, les gars. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Hop.